Salut à vous et puis bienvenue à la chaîne 7 du Salon. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un jeu Contra fait en 1990. Comme vous voyez là, et ben, il se joue à deux. Hein, et ben, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Bon ben les touches, hein, comme vous vous en doutez, hein, sur une touche, ben, sur une manette de Nintendo, ben il n'y a pas grand chose comme touche. Alors il y a le touche sauter qui est sur A et B pour tirer. Bon, voilà. Ah, il n'y a pas de. Ah si, il y a des tirs en diagonale, mais apparemment t'es obligé de marcher. Ok, bon ben c'est parti. Ah bah purée, ça commence bien. Ah purée. Ouais, par contre, il faut faire gaffe de ne pas sauter sur l'ennemi parce que... Il vous touche, c'est la mort. Enfin, il vous one shot quoi, en fait, il vous one shot. Hein. Ça me fait rappeler un jeu, un Metal Slug. Oh. On va le refaire, hein, parce que quand même. Putain, je suis mort vite, toi. Oh, mais là, je suis mort comme une grosse... J'ai envie de me gratter le nez, mais ah purée, putain. Ah, maintenant j'hésite à passer. J'ai failli de pas le voir ça. Oh mais putain quoi. Vous imaginez ce jeu-là aujourd'hui? Et de retour sur Contra sur Nintendo Switch. Ce n'est qu'une démo, hein, oui. Et pour l'avoir, il faut avoir un compte japonais. Et ce jeu, ben, en France, il sortira le 26 septembre. Donc, est-ce que c'est un contrat ou pas? Bon, on va voir ça ensemble.
de l'ancien contrat à celui-là, je me dis quand même que c'est du recyclage, quoi. Mais bon, pourquoi pas, après tout, hein, c'est. On va voir si c'est un bon jeu. Mais en tout cas, là, je me demande si c'est pas du Quake ou du Doom. Ok, il faut que je bouge. En tout cas, il est pas moche le jeu. Alors là, c'est pour. Ok. Là, c'est pour bouger. Ok. Là, c'est pour sauter. Là, pour bouger très vite. Ok. Ah, ça, c'est forcément une esquive, ou je sais pas. Peut-être pour casser des murs. Pour tirer, c'est où alors? Ouais, on verra ça dans le tuto. Ah. Ouais, tout faire péter! Putain, la vache. Ah, ok. On est en train de le découvrir ensemble. Hein. Alors, pour sauter, il y a B et sur le L. Ok. Il a les pieds qui s'enfoncent dans le sol, le personnage là au milieu. Anne, on a une barre de vie. Mais c'est cool si on a une barre de vie. Putain, je viens juste de l'avoir en plus. Ça va rendre le jeu un tout petit peu plus facile. Ah merde, je peux plus tirer. Ah purée, ton arme après, ok. Ouais. Ah purée, je m'en doutais, j'ai vu un truc violet là qui allait sortir. Ok. Ah, il y a des caisses. Ah, on peut les prendre. La voiture de police, tiens, pourquoi pas. Soyons méchants. Oh. Apparemment, ça paye d'être méchant. Ok. Oh, mais c'est cool ça. C'est à l'infini un missile ou pas? Ah, c'est pas efficace. Oh. Putain, mais c'est quoi R au fait? Faut que j'essaye. Ah oui, l'esquive. Ouais, j'avais presque oublié là. Oh purée. Oh, il y avait un truc en haut. Oh purée. Ah, j'avais pas vu ça. Allez, ta 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 ta
Ah ok. Purée, ça aurait été injuste là sinon. Oh bah n'utilisez pas la touche R, hein, à part si t'es suicidaire, parce que ça enlève de la vie. Oh. Je sais pas si ça sert à mourir, à être détruire. Hein. Ah, là c'est du contrat, ok. Là on le voit là. Oh, ça ne dure pas longtemps. Oh merde alors. Ouais, de temps en temps j'arrête de tirer, c'est pour refroidir mon arme. Et j'esquive. Et j'esquive. Wow, wow, wow. Et j'esquive. Et j'esquive. Là, là. Reste tranquille. Purée. Wow. Ah oui, d'accord. C'est eux qui te visent. Là, faut faire du puzzle. Si je veux pas, il y a une nuit là-bas. Ah ouais, cool. Bon, autant profiter. Hein. C'est lui que l'on devrait avoir comme personnage dans Resident Evil. Comme il a pris le temps que c'était. Ah, il a un bras en robot aussi. Ah, il faut que je foute dedans. Ok. Voilà, bah j'aime bien ce que tout se détruit là, tout à fait. Oh. Même pour les missiles aussi, ah purée. Ah oui, moi j'ai ça, ouais. Quelque chose me dit que j'aurais pas dû l'utiliser tout de suite. Ah purée, je m'en doutais que j'aurais pas dû l'utiliser tout de suite.
Ah, ça c'est de l'argent, ouais, c'est de l'argent. Oh, ça va, on est bien, on s'en sort. Pour une démo, si c'est très facile comme ça, c'est normal, on va. Je reviendrai. Ouais, peut-être dans un contrat sur une console future. Hop, purée. Ah ouais, se fighter contre ça là. Ah oh, oui. Plus c'est grand et plus le loot est bon. Merde, pourquoi je peux pas tirer? Oh purée. Oh là là, je suis mort? Je suis mort dans une démo? Ah! Ah ok. Bah c'est la fin de la démo. Bon bah c'est la fin de la démo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'aimerais savoir ce qu'est-ce que tu en penses toi par rapport à ce contrat-là. Si tu es d'accord ou non pour les recyclages de jeux, mais en tout cas moi je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Apparemment, tel comme je suis en train de voir là, on peut jouer avec des personnages différents et en multijoueur. Ah bah ça serait vachement bien. Ah ouais, en multijoueur. La vache. Mais bon, est-ce que ça reste du contrat? Ça par contre. Attention, je te parle de l'ancien contrat de la NES à celui-là. Mais c'est un jeu que j'achèterais bien hein, pour 40 et quelques euros. En tout cas, je le répète, ce jeu ne sortira pas avant le 26 septembre. Alors du coup, ça fera un petit cadeau de Noël, ben, mais pour certains en avance. Hein. Comme ça, au moins, tu le ranges et tout ça. Là. Enfin bref, ben, j'espère que cette vidéo t'a plu. Laisse un petit commentaire, tel comme je t'avais dit, et puis un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis si c'est pas déjà fait, ben, abonne-toi. Merci, et puis porte-toi bien, ciao.